Relève-toi. Kelvin. Kelvin. Regarde ce qu'ils ont fait. Ma bonne niche. Et là, un coup de jus ici, c'est Claude François. C'est impossible de commencer un épisode genre tranquillement. Hein. Regardez, il y a un indigène qui est là, qui se balade. C'est un truc de ouf. Mais bon, heureusement, il y a Kelvin qui arrive derrière. Il va rien faire du tout, mon pote. Salut à toutes et à tous, la même compagnie, les 19h. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite un excellent week-end, les amis. On se retrouve aujourd'hui. Non, mais on va manger sain. On va manger sain, donc on va manger de la viande. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode. Salut, mon ref. Oui, oui, tu vas te détendre. Non, non, vraiment. 12e épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest, bien sûr. Laisse-moi manger un bout et je t'attaque après, il n'y a pas de souci. Hop, on mange un petit coup de viande parce que les amis, on est quand même au 27e jour. Ça va de nouveau être l'hiver et il est 7h du matin. Ouais, 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 autant vous dire que le temps passe vite. J'ai des nouveaux crafts là, regardez, qui ont été débloqués. Armure de feuilles, cordes de zipline et outils de réparation, très bien. Un petit tour de l'inventaire, donc on a récupéré un badge d'entretien. Les gars, je sais ce qu'on va faire aujourd'hui, souvenez-vous. Un des premiers épisodes, on avait trouvé un endroit où on avait besoin de la carte magnétique. Donc on va y aller de ce pas. Également, on a une hache de pompier. J'étais complètement passé à côté, mais c'était dans l'endroit où on était. Là où d'ailleurs, du coup, on a perdu Kelvin. D'ailleurs, Kelvin, du coup, on l'a récupéré. Qu'est-ce qu'il y a, mon ref? Eh, mais ça va la tête, là. On va se calmer direct. Hop, t'es mort. Bon, Kelvin est sain et sauf, hein. C'était qu'un mauvais cauchemar, les amis. Bon, vous avez très bien compris ce que j'ai fait pour Kelvin. Tout simplement, j'ai repris la sauvegarde de 2 minutes avant qu'il meure, hein. On va pas se casser la tête, les gars. Sachez que je me suis renseigné exprès en amont. Kelvin, s'il meurt, on peut plus le ravoir. Et franchement, j'en ai besoin. J'en ai besoin pour les constructions, donc voilà. J'ai pas voulu cheater ou quoi, donc j'ai repris l'ancienne sauvegarde sans aucun problème. Par contre, Madonna, elle est passée où, là? Virginia, là. Virginia, elle est à l'autre bout du monde. Alors, on va aller justement, bah c'est au point d'exclamation là-bas. Enfin, le point vert qui est là-bas. Alors, ce point vert, on y allait, hein, dans le dernier épisode, justement. Et ben là, on va aller au point vert ici, tout simplement. Le point d'exclamation, je sais plus ce qu'il y a. Bon, c'est à côté, donc on pourra y aller. Ça a bien poussé là, regardez, je vous montre un petit peu. Ça a bien poussé. Ah bah voilà, ça c'est quoi? C'est de l'aloe vera. Hop, donc genre, je vais replanter l'aloe vera. Si c'est possible. Graines de myrtille. Graines d'aloe, voilà. Ça c'est l'aloe vera. Ça c'est la bête saumon. Très bien. Ça, ça n'a pas encore fini. Et ça, c'est de la plante à flèche. Et en fait tout ça fusionné, ça fait des cocktails de soins quoi. Myrtille, bête saumon. Bon, je sais plus. Hop. Bref, vous avez compris un petit peu l'idée de ce jardin. Et pour vous montrer un petit peu l'intérieur de la maison. Bon, vous avez vu, les totems ça sert à rien. Hein. Ils viennent quand même, les vilains. Hein. Alors, j'essaie de faire une mini armure, un mini mur défensif pour voir. Bon, ils s'en foutent, hein, ils vont dessus quand même. Mais je voulais essayer, je me suis dit, eh, imagine, on n'a pas besoin de faire des grands murs. Bon, en réalité, si. Mais voyez un petit peu à quoi ça ressemble la maison. Je suis assez content. Ça avance vraiment très très bien. C'est assez chouette. C'est assez chouette. Franchement. Franchement, il fait bon vivre. Voilà, je dis ça, je dis rien. Alors qu'il y a encore rien, mais c'est ça ce qui est chouette. Allez, les amis, on va y aller directement. On a besoin de rien, envie de toi. On va, de toute façon, là, normalement, on va pas se combattre de ouf. On n'a pas besoin d'armure ou je sais pas quoi.
Donc là on va directement se rendre, hop là, au point vert, et utiliser notre carte magnétique. En tout cas les amis, si cet épisode vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas le like, petit pouce bleu, l'abonnement et le commentaire qui fait extrêmement plaisir. Vous le savez que là, au niveau décalage, on n'a qu'un seul jour de décalage de vous à moi. C'est-à-dire que au moment où je tourne cet épisode, j'ai vu l'avant-dernier, enfin les retours de l'avant-dernier épisode. Donc en fait, il y a un seul épisode de décalage. Vraiment les gars, de toute façon depuis le day one, je lis tous vos commentaires, ça vous le savez, mais c'est vrai que les premiers épisodes, j'avais tout tourné à la suite quand même. Mais là voilà, ça me fait plaisir, je vois vos commentaires. Alors vous avez vu la déforestation quand même, c'est dramatique hein. On reconnaît plus du tout hein. Je trouve ça magnifique, mais en même temps terrifiant. Avant il y avait plein d'arbres. Bref, là on voit bien le chemin là. Donc on va suivre le chemin. Tous les chemins mènent à Rome. D'ailleurs du coup il y a un petit cours d'eau ici. Et c'est vrai que Bah je suis jamais allé là. C'est vrai que je pouvais boire là en fait. Eh, j'avais bien plus proche que... Je pouvais boire ici directement, c'était bien plus proche en fait. D'accord, très bien. Bon écoutez, est-ce que je peux casser ça tout à fait? Bon les bâtons j'en ai assez. Très bien, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Eh c'est chouette ici là, même là on aurait pu faire une base. Bon enfin tous les endroits sont sympas pour faire une base hein, me direz-vous. Allez, on va pas perdre plus de temps. On va suivre le cours d'eau et on va aller au point vert. Donc le point vert qui est juste à côté du grand plan d'eau. Et là vous voyez le banc de sable sur la map là, en face. Je pense que maintenant vous avez compris la map hein. Mais c'était donc là-bas qu'on avait fait notre toute première base, la maison préfète. Voilà. Vraiment le tout début de l'aventure. C'est fou hein. On est vraiment sur la partie de la map la plus intéressante je trouve. Alors regardez-moi cette hache comme elle est magnifique. Avec ça tu coupes du bois comme Jaja hein. Oh les petits lapins et tout, c'est tout mignon. C'est tout cosy. J'espère qu'on va trouver des munitions aussi pour le fusil à pompe là où on va. Ce serait vraiment chouette. Parce que le fusil à pompe, j'avoue qu'il me sauve la vie de malade face aux grosses brutes et tout. C'est vraiment chouette. Salut. J'oublie pas hein. On fera des épisodes chasse hein. Je vous le promets les gars. Dans tous les cas, même si on finit le scénario, il y aura toujours des vidéos Sons of the Forest par la suite si vous êtes toujours autant hypé. Alors là, vous pouvez me faire confiance. Même des vidéos de différentes sortes. Bah comme celle qui est sortie aujourd'hui à 16h, si je dis pas de bêtises les gars, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo si vous l'avez pas encore vue. C'est une vidéo qui est pas sur Sons of the Forest directement, mais qui tourne autour. En gros, c'est une vidéo où je réagis à la communauté, aux trouvailles de la communauté sur Sons of the Forest. Donc en gros, je vais sur Reddit et je pense que je ferai deux épisodes si ça vous plaît. Et notamment où je regarde des TikTok ou des... Voilà, en gros, c'est une vidéo réaction à tout ce qui tourne autour de Sons of the Forest. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo qui est sortie aujourd'hui et qui s'appelle... Kelvin a des pouvoirs, je crois. Je crois que c'est le titre de la vidéo. Et là, c'est chouette parce que ce chemin-là qu'on s'improvise, on n'est jamais passé par là encore. Et j'aime bien. Alors, le point d'exclamation là-bas, c'est quoi? Je pense que le point d'exclamation là-bas, on y était genre dans l'avant-dernier épisode. Mais il y a peut-être des trucs à creuser. Parce que c'est ça, maintenant qu'on a une pelle et qu'on peut creuser, faudrait qu'on y retourne, quoi. Bon, c'est sur le chemin, de toute façon, pour rentrer à la maison. Donc on ira, mais déjà là, le point vert, c'est là-bas qu'on va utiliser notre carte magnétique. Enfin, en espérant qu'elle fonctionne. Mais je pense que oui, je pense que la carte magnétique, c'est une carte qui fonctionne pour tout. Sachant que, si on regarde, d'ailleurs, j'ai pas prêté attention, page d'entretien, regardez, c'est écrit Karl Planter. Maintenance. Et Karl Planter, je ne sais pas c'est qui. Voilà. Aucune idée de qui c'est. Si encore ça aurait été Puffton... Eh ben on saurait que c'est le milliardaire. West Virginia. Nanana, country road. Take me home. Eh, cet endroit me fait moins peur maintenant que je sais. Vu que je connais la map maintenant. Alors que cet endroit, on y est passé deux fois au total et je me suis chié dessus les deux fois. Souvenez-vous. Parce que nous, on venait de là-bas. Eh, c'est dingue. C'est ça ce qui me plaît avec ces jeux qu'on découvre de A à Z. C'est que quand on connaît pas, c'est effrayamment fou quoi. Et quand on connaît, bah tout de suite c'est moins flippant. Genre je trouve ça accueillant cet endroit. Alors qu'en vrai cet endroit il était regorgé de cannibales, souvenez-vous. C'est vrai hein. Il y avait des cannibales partout ici hein. Et maintenant ça me fait plus peur. Allez on y va. On y va. Et c'est vrai que... Ah ouais, il y avait un autre endroit aussi où il fallait mettre une carte magnétique, je sais plus c'est où. Attends, on va allumer la lumière quand même. C'était pas exactement la lumière là que je voulais, mais c'est pas grave. Il y avait un autre endroit où on avait besoin de la carte magnétique, je sais plus c'est où. Bref. En tout cas,
Là c'est le premier endroit. Je crois que c'était à l'épisode 5 ou 6 qu'on était là. Ouais c'est ça. On était là à l'épisode 5 ou 6. C'était l'épisode la tête à l'envers. Souvenez-vous. Mais il y avait un autre endroit également là récemment qu'on avait trouvé. Alors je sais pas c'est où mais on retrouvera, vous inquiétez pas. Bon, si c'est à l'opposé de la map c'est chiant hein. Alors du coup ouais, il y a des trucs à récupérer. Donc des morceaux de steak. Des morceaux de steak, des morceaux de cerveau. Ah oui voilà, vous me l'aviez dit en commentaire. Oh purée, j'avais mangé des morceaux de cerveau. Donc j'ai, en fait j'étais déjà cannibale dès le jour 5 sans le savoir. Bon après des cerveaux, on sait pas si c'est des cerveaux humains hein. Morceaux de bacon, morceaux de steak. Allez on va voir si ça fonctionne ou pas. Moi je la sens pas cette histoire. Je préfère vous le dire. Je préfère vous le dire, je la sens pas du tout. Allez go. Ça marche. Oh bah y'a pas besoin de lumière. Y'a du bruit quand même hein. Y'a des drôles de bruit. Bon y'a des plantations. Oh. Des myrtilles. Je me chie dessus, voilà, je voulais. Non non je suis pas tout seul. Déjà on sait que dans ces endroits il peut y avoir des méchants donc Ouais regardez il y a des bébés là. Bon si c'est que des bébés ça va. En plus il fait bien jour. Là j'imagine bien la scène que les lumières s'éteignent d'un coup. Et ça ce serait assez terrible. Ok ils sont 4. Allez venez voir. Et 2-1. Bon ouais, on va se détendre quand même hein. Oh non il y a un mutant là-bas. Bon là on... Eh on se pose pas 30 000 questions hein. Fusil à pompe direct hein. Ça one shot hein. Wesh. Voilà. On se pose pas 36 000 questions. Toi déjà tu meurs. Oh les raccourcis clavier ça sauve la vie quand même. Là il y en a encore un là. Mort. Mort. Meurs. Il est mort. Il est mort. Ça one shot de ouf. Là on a des flèches mais j'en ai déjà trop sur moi. On va essayer de passer à côté de rien. Oh merde. J'ai trop peur purée. On voit rien. Oh non. Oh non monsieur. Oh non monsieur. Bon allez on avance. Oh, on voit rien du tout. Oh mon dieu. Oh non. Oh non. Attendez on fait un petit peu le tour. On prend notre temps. On temporise hein. Sait-on jamais si on trouve une carte ou je sais pas quoi. Bon il avait rien sur lui. Oh non. On voit rien. Ok une caisse à manger. Allez mange. On va vers la lumière quand on mange hein. Ah c'est toujours mieux de manger dans le jour que dans la nuit hein. Bon. On va essayer de louper rien parce que. Ok de la résine d'imprimante 3D. Parce qu'en fait le truc c'est que très vite on peut passer à côté de certaines choses. Et justement cette fameuse hache là. J'étais passé à côté. C'est en y retournant que j'ai retrouvé la hache quoi. Circuit imprimante ok. Tissu à manger. Quelle connerie. Oh c'est pas chouette ça. Oh c'est pas chouette ça. Y'a rien à récupérer chez vous. Oh non. Les pauvres. Bon y'a rien ici. Là y'a un screamer hein, 100%. Soyez-en certains. Non mais y'a plus de lumière là. J'ai plus de batterie. Mais si j'ai de la batterie arrête. Non c'est juste on voit rien c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Oh on est dans l'eau maintenant. Incroyable. Bon dans l'eau il peut rien nous arriver hein. Bon on peut juste mourir électrocuté mais normalement il n'y a pas de méchant dans l'eau. Et ça j'aime bien. Ok. Reste à la surface frérot. Ça va bien se passer. Ok. Oh là là. Oh c'est bien fait hein. Ok très bien. On va essayer de se frayer un chemin. À tout moment on se prend un coup de jus hein.
Et là, un coup de jus ici, c'est Claude François. Putain, c'est gigantesque ce laboratoire là. Et en gros, il fait quoi? Ils font juste des myrtilles? Chelou leur truc. C'est chelou votre truc. Bon, en théorie, y'a rien sous l'eau. Ok. Ah. Ah. Ça va être un peu embêtant ça. S'il y a 32 chemins. Y'a rien là. Ok. Ah, on voit mieux sous l'eau. Ah, ça équipe tout seul le respirateur. Et ben voilà, au moins je le sais. Au moins je le saurais. C'est comme sur The Forest, y a pas besoin de l'équiper, il s'équipe tout seul. Ah, ça aurait pu me servir bien plus tôt ça quand même. Allez, on l'enlève. Qu'est-ce qu'on a là? Allez, sort une arme là. Oh, oh non. C'est le moment de comprendre l'histoire. C'est le moment de comprendre l'histoire, y'a pas à chier. Y'a pas à chier. Ça, messieurs, dames, c'est les Puffton. Hein. Ça, c'est les deux Puffton, donc la mère et le père. La fille, on sait que c'est Virginie. Et ils se sont tous transformés, en fait. Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, ils se sont tous transformés, très bien. Oh ! Virginia Puffton, on a la... Elle va nous courir après, Virginia, non ? Bon, du coup, on a récupéré une deuxième carte. On a deux cartes magnétiques, on a... Badge d'entretien et badge VIP. Et badge VIP, c'est Virginia Puffton. Donc la fille des deux là qu'on voit. La fille des deux milliardaires. C'est un truc de ouf. Bon, par contre, il y a du champagne. On peut pas boire? Je suis déçu. Ah. Alors faut éteindre la lumière. Encore un artefact. Un autre de l'artefact 2. Est-ce que vous pensez qu'ils sont dans le cube? Ouais, c'est très très bien traduit, moi, tout ce que je vous offre aujourd'hui. Hein. Très bien. Bon, écoutez, on va prendre un petit soda énergisant. Ça fait toujours plaisir. Bon, c'est pas mal. On en apprend évidemment pas plus, mais un peu quand même. Rail de fusil à pompe. Oh. Mais attendez, mais j'en ai déjà des rails de fusil à pompe là. Fusil à pompe, je peux fusionner avec. J'ai déjà moi un rail de fusil à pompe, non? Démonter. Viseur laser. Ah, rail de fusil à pompe, c'est ce que je viens de débloquer là. Je sais pas à quoi ça peut servir. Et je peux pas mettre fixation pour torche. Je peux pas mettre. Ça, ça me démonte. En fait, tu peux pas combiner. Si, c'est bon. Voilà, bah oui, il fallait d'abord. Mais oui, il fallait d'abord mettre le rail avant de mettre le laser. C'est logique, je suis complètement à l'ouest. Donc là, au moins, on a un fusil à pompe qui a en plus un rail qui je sais pas à quoi ça sert. Mais en tout cas, on a de nouveau le laser. Bon, c'est chouette. C'est super bien ici. Attendez, je fais la miniature. Eh, pas de secret entre nous. Vous savez comment ça fonctionne, hein, YouTube. C'est comme ça qu'on fait des miniatures. Et voilà le travail. Eh, comme il fait jour d'un coup. Bon, allez, on repart. Allô? Oui, il s'agirait de me... De me laisser partir. Hop, reprends ta lampe de poche. Non, tu veux pas? Très bien. C'est pas grave. Bon, on arrive ici. Et là, eh ben, ça va être là que les ennuis vont commencer. Tout simplement, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bonjour monsieur, encore une visseuse, hein. Ils aiment bien les visseuses ici. Est-ce que c'était leurs armes? Parce que pourquoi ils ont tous des visseuses? Bon allez, on termine le jeu aujourd'hui ou ça se passe comment? Oh merde. Alors par contre je m'attendais à tout sauf à ça. C'est magnifique. J'ai la... Eh, hey, messieurs dames, j'ai la barre dans le caleçon. Voilà, je... Je vous le dis, mais ça, vous voyez, ça c'est quelque chose qui m'excite. Oh, une robe. Il y en a une qui va être contente. On va bien prendre notre temps de tout bien fouiller. C'est incroyable. Attendez, je refais un petit screenshot quand même, les gars. Je sais pas du tout ça va être quoi la miniature, mais vous connaissez. On change pas une équipe qui gagne. D'accord, visiblement j'ai pas le droit de faire un screen. Ah, ça y est, c'était un petit peu bugué, c'est pas grave. Ok. Vous avez vu ce que je viens de voir là? Oh non, je vais pas là-dedans. Eh, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Eh, je suis pas fou. Je suis pas fou. Je suis fou. Les gars, je deviens fou. Je trouvais ça stylé, mais maintenant je trouve ça un peu moins stylé. Bon. Oh putain. Ah. Oh, c'est le gros truc que j'ai découvert justement. Dans le dernier épisode, ce mutant de malade de zinzin. Et ils étaient en train de manger. Et regardez, il y a des noms sur la table et c'est écrit. J'arrive pas à lire. Ah bah. Hank, nous avons perdu encore une après-midi, machin, une soirée, et on est incapable de trouver les traces des ballons de golf. C'est absolument inacceptable. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est les problèmes de riches, ça. Ils ont perdu des balles de golf. Vous inquiétez pas, moi, je vais vous les retrouver, moi. Ah, les problèmes de riches, et ben voilà comment ça finit, finalement. Eh, ché. Edward Puffton. Oh, merde. Edward Puffton, c'est pas le milliardaire qu'on recherchait? Edward? J'en ai aucune idée de leur nom, mais je sais que c'était Puffton. Barbara Puffton. Virginia Puffton. Ouais, bon, d'accord, Virginia Puffton, on sait. Barbara Puffton, bah elle est pas là. Comme Virginie. Virginie, elle a l'air libre. Donc ça veut dire que l'autre, elle est aussi à l'air libre. La mère, elle a l'air libre. Là, on sait pas c'est qui. Et Hank, c'est celui qui écrit les papiers. Ça veut dire que le riche milliardaire, il est là. Voilà, on a trouvé le milliardaire. Je pense que c'est lui. Ouais, je pense que c'est lui. Par contre, Virginie, on l'a trouvée. Elle est avec nous. Elle est carrément gentille, d'ailleurs. Vive les enfants de riches. Fils de riches. Et la mère, on sait pas. Ça se trouve, on l'a fumée. Je sais pas. Très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand je comprends l'histoire. C'est quelque chose qui me plaît, je sais pas vous. Tu sais, quand tu es sur un jeu, que tu comprends rien, parce que c'est normal. Et qu'après, tu comprends le jeu au fur et à mesure, comme un vrai bon film, quoi. Ok. On va récupérer les boissons énergétiques, hein. Et on est là pour se servir quand même, hein, après tout. On est un petit peu ici chez nous maintenant, hein. Non mais là il faut vraiment que j'aille là-dedans là. Non. Non mais ça c'est de la connerie ça. C'est de la connerie, il faut pas faire ça. Alors attendez, bougez pas, moi j'ai toujours ce qu'il faut. Ah. C'est de l'eau. Ouais, d'accord. Et ça m'a l'air bien profond. Bon, vous inquiétez pas, ça vaut le coup de le faire quand même, ce que je fais. Oh non. Au secours. Bon bah, je suis sous l'eau, hein. Il est l'heure d'explorer, hein. De toute façon, sous l'eau, on peut pas se battre. Alors écoutez, promenons-nous, hein. Allez, je suis le chemin. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on est en train de faire les amis. Je pensais pas du tout que cet épisode prendrait cette tournure à vrai dire. Ok. Ça me rappelle le jour où j'ai terminé The Forest. Je m'attendais pas que c'était la fin et ça l'était. Bon là visiblement ça ne l'est pas. Allez, reste sous l'eau frère. Je suis beaucoup plus rassuré sous l'eau, on voit beaucoup mieux. Parce que là. Allez, allume une lumière putain. Je panique. Je viens d'où moi? Je viens de là-bas, il faut que j'aille là-bas. Mais on voit rien frère. Ah voilà. Oh purée. Saloperie va. Aveugle. Aveugle mais ils savent que je suis là, c'est ça ce qui est génial quoi. Ah ouais ils sont des millions. Ok, bouge pas, c'est le moment. C'est le moment d'équiper notre armure d'os. Tac, 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 tac. Armure effrayante, faisons-nous plaisir. Et puis on va prendre un petit soin aussi. Pour se requinquer. Voilà. On n'est pas trop mal. Aïe! Saloperie, va, saloperie! Eh bah, c'est superbe. Bon, le bébé il est noyé, hein. Pas du tout. Pas du tout. Alors tu sors une arme quand tu veux. Hein. Ouais bon là je me fais victime bolos. Bon allez tous vous faire foutre. Allez.
Maintenant j'en ai marre, ça va chier des bulles. J'en ai marre, ça va chier des bulles. Ouais, tout ça pour ça en plus. Confi. Hein? Attendez. Je vais. Oh putain. Il s'en est sorti le salaud. Reviens. Toi tu te relèves pas toi. Il vient d'où lui? Ils sont pas morts là? Attendez hein. Là ça commence à me saouler. Non ils sont bien morts. Ok il restait un bébé encore. Je peux le dépecer lui? Non pas du tout. Toi t'es mort toi. Il est pas mort. Putain ils veulent pas mourir hein. Mais il veut pas mourir lui. Pas vrai hein. Allez. On avance. Tout va bien se passer les amis. Ça sent la grosse connerie mais bon. Oh non. Alors c'est vrai vous m'avez dit je peux remonter avec ma corde de zipline hein. Vous avez bien raison. Théo Camio qui m'avait dit ça en commentaire. Il a bien raison, j'avais oublié. Si jamais, pas de panique. Je peux toujours remonter je pense. Ok. Bon je garde ma combinaison hein. Je veux dire c'est pas gênant. Je prends mon temps. Ah. C'est chouette. C'est super chouette. Bon moi on m'a dit qu'ils étaient aveugles. Mais ils sont vraiment pas aveugles hein. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Alors laissez-moi voir ce que j'ai. Parce que j'ai plus de pistolet sur moi. J'ai un pistolet paralysant mais je sais pas comment le recharger. Est-ce qu'il se recharge automatiquement? C'est pas impossible. Je pense qu'il se recharge automatiquement et qu'il est infini. Je pense. Par contre quand tu le recharges tu ne vois plus rien. Et ça c'est dingue. Par contre il se relève plus hein. Ah si il se relève. Reste au sol, reste au sol, reste au sol. Wesh. Là je me fais victime bolos quand même. Arrêtez. Eh les bébés ils sont trop forts en vrai hein. Les bébés ils sont trop forts en fait hein. Ça c'est une bonne pub pour Pampers hein. Vous avez la ref ou pas les anciens? A l'époque les couches Pampers. Ou même Evian. Aïe saloperie. Je déteste les bébés voilà. A l'époque les pubs Evian c'était des bébés qui dansaient, qui faisaient du skateboard. C'était génial. C'était les meilleures pubs à l'époque. Ok. Ouais c'est des chauves-souris, rien de bien méchant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Dans quoi on s'embarque? Oh là là, dans quoi on s'embarque messieurs dames? Je ne sais pas. Oh c'est une sortie. Oh my god. Ok, Calvin est à côté. Alors, attendez. Attendez, le masque, j'aimerais l'enlever quand même. Et voir où on est. Hop. On est où là? On est au Cambodge. On est à côté de chez nous, d'accord. Et nous on est rentré dans la grotte là-bas, d'accord. Du coup on a... Ok. Du coup on a tout vu je pense. Alors on va aller retourner voir le point d'exclamation là-bas du coup les amis. Je pense qu'on a tout vu de cette grotte. Parce que quand on réfléchit. Et je pense que du coup le système de zipline ne fonctionne pas dans les grottes en vrai je pense. Je suis en train de réaliser. Parce qu'en fait... Ah. Vous allez me laisser tranquille. Parce qu'en fait je pense que... vous savez qu'on est passé sous l'eau à un moment donné. Et après on est tombé dans un trou.
Du coup, si on rentrait dans la grotte par là, eh ben on aurait été face à un cul-de-sac et on n'aurait pas pu monter, je pense. Je pense, hein, on n'aurait pas pu monter. Et c'est pour ça qu'il fallait absolument rentrer dans la grotte via le chemin qu'on a pris là. Voilà, je pense, hein. Alors, dites-moi en commentaire si j'ai rien loupé. Moi, je pense que j'ai rien loupé. Si ça se trouve, j'ai loupé quelque chose. On a récupéré la carte de Virginie et on a utilisé la carte de Virginie également. La carte VIP, on l'a utilisée. Donc, je pense sincèrement qu'on a rien loupé. Ouais, je pense qu'on a rien loupé, les amis. Bon, je vous retrouve dès qu'on est arrivé au point d'exclamation parce que c'est pas la porte à côté. Eh, hey, bah vous voyez la maison là? C'était notre toute première base là-bas, non? Ou je dis de la merde? Parce que ma base là, elle est là-bas. Je crois que je dis de la merde. Ah mais oui, c'est là où on s'est installé quand il y a eu de la neige. C'est là-bas qu'on s'est installé quand il y a eu de la neige. Excellent. Bah attendez, on va faire un petit tour. Et au final, je fais même pas de coupure, les gars. J'espère que vous kiffez, je vous fais un épisode encore une fois dans la longueur. Mais en termes de contenu, hein, le contenu, il est là. Et ça, je pense que c'est le plus important. Mais non, pas du tout, c'est la maison sur la plage. Alors là, je comprends rien du tout, là. Là, c'est pas du tout la maison que je pensais. Qu'est-ce que c'est? Ouais, bref, attendez, on va pas se casser la tête. Eh, on dirait que c'est à côté, mais c'est pas à côté, hein. Bon, nous, on va au point d'exclamation. Vous avez très bien compris, c'est la maison, la toute première maison où on était au bord de l'eau, visiblement. Allez, on va au point d'exclamation. Attendez, on peut pas utiliser la luge, t'en déconner. Vous m'avez dit que sur la neige ce serait mieux ou sur l'eau. Ah, voilà! Eh bah, c'est vraiment superbe. C'est très rapide, très pratique, très efficace, quoi. Hein. Ouais, c'est chouette. Mais regardez, attendez. Ah, mais je suis trop con, putain. Les mecs. Je suis trop bête. La maison, c'est la bâche. C'est dans le dernier épisode, on était là. Je suis débile. Bon, bah, c'est super. Au moins, ça me permet de sauvegarder. Et en fait, les gars, il y a moyen que le point d'exclamation n'y soit même pas allé. Donc ça va être l'occasion de découvrir. Par contre, on a mangé à gratuit là. Bon, du coup, ici on connaît. Il n'y a rien à déterrer là. Hein. Je vérifie justement parce que c'était là que je pensais que le point d'exclamation était. Il n'y a rien à déterrer. Ok. Eh ben, on va aller se rendre au point d'exclamation. Par contre, ce qui m'embête, c'est que Virginie elle vient plus. Alors, comment ça se fait? Je vous jure, Virginie elle vient plus. Très bizarre. Pourtant, elle n'est pas morte. Hein. Bon, alors qu'est-ce qu'on a là-haut? C'est ça la vraie question. Waouh. Toujours aussi joli. Alors le vent c'est bien, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de bruit. Alors il faut que je baisse le volume, c'est terrible. Ah. Oui, alors tout de suite ça m'attaque. Ça va quoi. J'ai vu la lumière. Alléluia. Alléluia. Assis tout seul dans un bar, perdu dans le brouillard. Oh là, c'est beau, putain, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, par contre, ça va être. Ah non, ne me dis pas que ça va être un village. Ah ouais, je crois que c'était un village tout simplement. Ah, mais quoique, justement, on va peut-être pouvoir déterrer quelque chose. Attendez, ne nous enflammons pas tout de suite. Non, ça bip. Ça fait bip, 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 bip. Let's go. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh putain, on était déjà là, non? Fusil à pompe. Ouais, d'accord, on était déjà là. Putain, je suis dégoûté. Oh, je suis trop con. Alors, je comprends plus rien à la map. Hein. C'est là qu'on a cherché le fusil à pompe. D'accord. Donc, en fait, toute cette partie de la map, c'est bon, on la connaît, quoi. D'accord. Ah, je suis complètement débile, les gars, je perds la tête. D'accord. Bah, du coup, c'est un peu con de laisser le point d'exclamation alors qu'on a déjà récupéré ce qu'il fallait. Par contre, ça veut dire qu'on peut dupliquer le fusil à pompe. Ça veut dire que le fusil à pompe, je peux le donner à Virginia et revenir ici. Oh. Et revenir ici et il va réapparaître et j'aurai un fusil à pompe et elle aussi. Voilà, je dis ça, je dis rien, c'est une petite astuce que je vous partage.
Ok, bon, de toute façon, je suis full en tout là. Très bien, d'accord. Bon, bah écoutez, je vais revenir à ma base tranquillement. Là, je vais passer de nouveau par le front de mer. Et moi, je vais vous quitter là parce que de toute façon, on connaît déjà ce chemin. Bref, les amis, un épisode vraiment fou. Vraiment, vraiment fou. Alors, je pensais qu'on arrivait vers la fin du jeu. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais je ne pense pas. Mais je vous laisse me dire en commentaire si tel est le cas. Si vous savez, en tout cas. Pas de spoil, hein. Mais les astuces, évidemment, je suis preneur. C'est-à-dire que vous avez le droit de me dire si j'ai loupé quelque chose. Mais par contre, juste ne me dites pas. Enfin bref, vous avez compris quoi, vous avez compris. Allez, je vous fais plein de bisous, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, et on se retrouve demain, 19h, pour la suite. Ciao tout le monde.